À les départs de cette sixième épreuve, le prix Lucien Guérin, une course attelée pour chevaux de 5 ans. 3000 mètres à parcourir et c'est Révan d'Ameline qui a été le plus rapide au signal avec en deuxième position Esprit Criminel, alors qu'on vient en troisième position avec le numéro 8 Espoir des Masures, accompagné encore à son extérieur par le numéro 2 Étoile Semelie. À l'arrière-garde, nous avons le numéro 16 Éclipse des Bois et on est en dernière position avec le numéro 15 Épona DJ, alors qu'on est hors course avec maintenant le numéro 12, Orly Dancer. C'est Révan d'Ameline qui a l'avantage avec en deuxième position Esprit Criminel. On est venu à son extérieur avec le numéro 2, Étoile Sommelie. On fait un très bon effort maintenant à l'extérieur avec Enrique. On se retrouve ainsi en cinquième position, plutôt côté corde avec Espoir des Masures. Alors qu'à l'extérieur, on s'est rapproché avec Élite du Surf. Et au centre, nous avons également le numéro 9, Easy Love. Alors que le numéro 12, Orly Dancer, et le numéro 15, Épona DJ, ont été disqualifiés. Avec Révan d'Ameline qui a l'avantage, avec maintenant à son extérieur le numéro 2, Étoile Somoli, alors qu'on vient en troisième position, complètement à l'extérieur maintenant, avec Enrique en quatrième position côté corde Espoir Criminel, alors qu'Élite du Surf est en cinquième position, avec également au centre le numéro 9, Ezilov, avec encore côté corde, nous avons Espoir des Masures. On vient ensuite avec le numéro 11, Écu du Vivier, avec dans son sillage, nous avons Échappérine, alors qu'on tente de gagner des rangs maintenant à l'extérieur, avec le numéro 16, Éclipse des Bois. Ils vont sortir du tournant pour aborder la ligne droite des tribunes avec Révan d'Ameline côté corde qui a toujours l'avantage. On est à son extérieur maintenant avec Enrique. On est toujours en troisième position sur une deuxième ligne avec Esprit Criminel. Alors qu'au centre, nous avons le numéro 2, Étoile Sommelier. On est en suspension avec le numéro 5, Élite du Surf. Alors qu'on vient complètement à l'extérieur maintenant avec le numéro 16, Éclipse des Bois. On vient également avec Écu du Vivier, alors qu'on est au centre avec Easy Love, avec également côté corde Espoir des Masures. On est un peu plus loin maintenant avec le numéro 10, Écoute-moi, accompagné encore par Échappérine, alors que côté corde, nous avons également le numéro 14, Edgy Perrine. Il leur reste 1100 mètres à parcourir avec maintenant Éclipse des Bois qui est venu au commandement. On est en deuxième position avec Révan d'Ameline, le numéro 3. On est en troisième position avec Enrique. Étoile Sommelie vient en quatrième position et qui forme le wagon de deux avec dans son sillage Écu du Vivier. Alors que côté corde, nous avons Espoir Criminel. Élite du Surf est un peu plus loin avec également Easy Love. Avec côté corde, Espoir des Masures. On est encore un peu plus loin avec Échappérine, avec Edgy Perrine et encore un peu plus loin avec Express Moon alors qu'on est à l'arrière-garde avec le numéro 1. Hésite Carcy, alors que le numéro 10, Écoute-moi, vient d'être disqualifié. Il leur reste un peu plus de 600 mètres à parcourir avec Eclipse des Bois qui a toujours l'avantage. Avec en deuxième position, Révan d'Ameline. On vient facile à l'extérieur maintenant avec Étoile Sommelie alors qu'on est en quatrième position avec Écu du Vivier avec pas mal de ressources. Alors qu'on est cinquième long de la corde avec Enrique. On est un peu plus loin avec le numéro 4, Esprit Criminel. Avec encore un peu plus loin, nous avons Espoir des Masures. Alors qu'on s'est montré fautif avec Étoile Sommelie. Ils vont sortir du dernier tournant, pas aborder l'ultime ligne droite. Et c'est maintenant Écu du Vivier qui prend l'avantage, le numéro 11, alors qu'Eclipse des Bois est toujours le long de la corde. On note une nouvelle disqualification, celle du numéro 2, Étoile Sommelie, avec au commandement maintenant Écu du Vivier qui se détache de Enrique qui finit bien au centre. À l'extérieur, on finit bien également avec le numéro 4, Esprit Criminel, alors qu'on cède complètement le long de la corde avec Eclipse des Bois. Il leur reste environ 30 mètres à parcourir, avec sans incident la victoire facile du numéro 11, Écu du Vivier. Et la deuxième place sera disputé entre Enrique côté corde et à l'extérieur avec le numéro 4, Esprit Criminel, et la quatrième place pour Espoir des Masures, le numéro 8. Oui.